et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. C'est un grand jour de fête pour notre Église aujourd'hui où nous célébrons tous les saints qui ont été accueillis par Dieu dans la plénitude de sa lumière et qui sont pour nous l'espérance du terme vers lequel nous marchons. C'est un grand jour de fête aussi puisque aujourd'hui, une semaine après la clôture de la deuxième session du Synode pour l'Afrique, nous avons la joie de nous retrouver avec Mgr Padela Mbuyu et Mgr Mzomzo du Congo et un certain nombre de prêtres africains, de religieuses et de laïcs d'Afrique qui sont venus à la fois pour participer d'une certaine façon aux fruits de cette session synodale et aussi pour rendre grâce au Seigneur du travail qui a été fait, qui a été accompli. Comme nous l'entendrons tout à l'heure dans l'Évangile, les disciples s'approchent de Jésus pour écouter sa parole. Et nous voici ce soir autour de cet autel avec les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame, assemblés autour du Seigneur pour accueillir sa parole. Nous nous approchons de lui, nous l'écoutons et nous l'accueillons comme celui qui va éclairer notre chemin et nous permettre d'avancer vers la plénitude de la sainteté. Prions le Seigneur qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous délivre de tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus divini.
quisse des ad exteram patris miserere. Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs et accorde-nous largement tes grâces par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avait reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer, ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et il proclamait d'une voix forte, « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône et par l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre pour adorer Dieu. Et il disait, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Et il reprit, ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Parole du Seigneur.
Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherche la face de Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Vraiment, je vous le dis ?» Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le choc que nous éprouvons en entendant les paroles de feu qui viennent d'être proclamées devant nous n'est pas simplement un effet de surprise ou une sorte d'émerveillement inimaginable. Le choc que nous éprouvons, nous le recevons de deux façons. La première, parce que nous entendons Jésus proclamer heureux et béni, heureux et béni, celles et ceux qui vivent les exigences de l'Évangile et qui supportent les conséquences des exigences de l'Évangile. Or, pour beaucoup d'entre nous, pour tous peut-être de quelque façon, les exigences de l'Évangile nous paraissent plus sous la forme d'une contrainte et d'une charge que d'un bonheur et d'une bénédiction. Et cette stupeur s'accroît et se développe encore quand nous entendons proclamer « Bienheureux si l'on vous insulte, si l'on vous persécute pour la justice ». Car pour nous, évidemment, ayant intégré de longue date que le bonheur, c'est de ne pas souffrir, ou que le bonheur, c'est de voir satisfaits nos désirs, ou que le bonheur, c'est de ne rencontrer aucune adversité, ces situations de conflit, d'hostilité, de persécution et d'insultes, de calomnie, nous paraissent aux antipodes du bonheur. Mais nous sommes choqués aussi, non pas simplement par cette espèce de contradiction que nous éprouvons entre le contenu des bénédictions que le Christ promet à ses disciples
est ce qui fait le fond de nos espérances et de nos attraits spontanés, nous l'éprouvons aussi parce que nous avons une représentation de la sainteté qui est finalement une sorte de récompense et de prime à la perfection. Pour nous, il nous semble que la sainteté, c'est la récompense des efforts qu'on a fournis. Et on a du mal à comprendre, évidemment, que pour aucun d'entre nous, ni la miséricorde, ni la pureté de cœur, ni le désir de paix, ni la persécution, ni l'insulte, ni la calomnie puissent jamais être ce que nous cherchons de tout notre cœur. Quand nous rêvons ou quand nous imaginons quelque chose de la sainteté, nous imaginons quelque chose de la perfection morale, qui serait récompensée dans le meilleur des cas par une canonisation arrachée de haute lutte après beaucoup d'efforts, et donc forcément réservée à quelques spécimens assez rares de l'espèce humaine, mais qui ne saurait pas concerner le grand nombre, ni surtout le grand nombre dans sa médiocrité telle que nous la connaissons et telle qu'elle est la nôtre. Nous aimons les saints de vitrail et nous comprenons mal que la sainteté selon Dieu, ça n'est pas l'apothéose héroïque de l'effort moral, c'est la plénitude de la bénédiction qui vient de Dieu lui-même, comme il l'annonçait déjà dans le livre du Lévitique, quand il appelait le peuple d'Israël à être saint et à vivre dans la sainteté, parce que je suis saint. Le fondement de la sainteté du peuple de Dieu, comme le fondement de la sainteté des disciples du Christ, ça n'est pas notre fabrication morale, c'est la fécondité, la fructification de la sainteté de Dieu à travers l'histoire des hommes. Ainsi, nous pouvons un peu mieux comprendre que cette sainteté est marquée de deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle n'apparaît pas à l'œil nu. Ou plus exactement, que quand elle apparaît, c'est qu'elle est déjà arrivée à sa maturité et à son achèvement. Mais pour la plupart d'entre nous, cette sainteté est inscrite en nous, dans notre personnalité, dans notre liberté, dans notre cœur, par le don que Dieu nous a fait en nous appelant au baptême. C'est par le baptême d'eau et par l'onction de l'Esprit que nous sommes marqués au front pour devenir les élus du Seigneur. Mais cette empreinte qui marque notre existence ne trouvera son achèvement qu'au terme de notre vie et au terme de l'histoire. Enfants de Dieu, nous le sommes déjà, comme nous le dit la première épître de Jean, mais ce que nous sommes n'apparaît pas encore clairement. Cette dignité d'enfant de Dieu, cette splendeur de la sainteté divine répandue en nos cœurs par la puissance de l'Esprit-Saint, reste comme enfouie et cachée sous les apparences et sous les drames de la liberté humaine et de l'histoire des hommes. Nous sommes un peuple de saints
mais nous sommes un peuple de saints immergés dans l'histoire de l'humanité qui est une histoire de péché aussi, et de grâce et de réconciliation. Aussi, quand nous célébrons la fête de tous les saints, nous ne sommes pas dans une sorte de promotion anonyme de quelques saints inconnus. Nous sommes dans un acte de foi et d'espérance sur notre propre existence, sur la sainteté que Dieu construit à travers son peuple, à travers l'humanité, à travers la liberté des hommes et des femmes qu'il appelle à la sainteté et à qui il donne les moyens de devenir saints, pourvu qu'ils se laissent conduire par les chemins de l'amour et qu'ils ne veuillent pas s'approprier eux-mêmes la capacité d'atteindre la perfection sans le secours de Dieu. Ainsi, cette sainteté promise, cette sainteté espérée, cette sainteté offerte demeure encore cachée pour un grand nombre d'années, et parce qu'elle est cachée, elle est ouverte à un nombre incalculable d'hommes et de femmes, un nombre que personne ne pouvait dénombrer, de ceux qui ont été accueillis par le Christ dans la droiture de leur cœur, de ceux qui ont accueilli sa parole dans la simplicité, de ceux qui ont accepté de rendre témoignage à l'amour au prix de quelques désagréments et parfois au prix de leur vie. Ainsi, frères et sœurs, en ce soir, nous rendons grâce à Dieu pour cette multitude d'hommes et de femmes que nous ne connaîtrons jamais, sinon à la fin des temps, pour cette multitude d'enfants de Dieu, bénis de Dieu, sanctifiés par Dieu, et qui ont vécu leur sainteté et leur bénédiction à travers les combats quotidiens de la liberté humaine, dans le choix de ce qui est bon pour l'homme, dans le refus de ce qui est mauvais pour l'homme, dans l'espérance de l'accomplissement de la promesse de Dieu qui a fait de nous ses enfants, nous sommes aujourd'hui dans la joie des enfants de Dieu. Amen. Credo in unum Deum, Christum, filium Dei unum.
Sœurs, Dieu veut le bonheur de ses enfants. Unissant notre prière à celle de tous les saints du ciel, invoquons le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Soala, nirfu sumsong tanga, idba songa papenwa pila yob soba, mona zininye sombo zemsru tikri, rom tenga, afrik tigungu, La zamana na keng tori. Birkelon song ti nga tor soba. Ne vu som song kuni. Ta keli lagam ta lwetga. Tere basumbe anduni wazanga. Nafa nyinga. Idpuse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Cette année consacrée aux prêtres, prions pour tous ceux que le Seigneur choisit au service de son peuple, à la table de sa parole et de son pain pour la sanctification des fidèles. Aujourd'hui, l'Église en Île-de-France a une intention particulière pour les évêques, les prêtres et toutes les personnes consacrées du continent africain. Que le Seigneur affermisse leur vocation et soutiennent leur initiation pastorale face aux situations spécifiques qu'ils peuvent rencontrer. Exauce-nous, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour le continent africain. Merci pour les nombreuses richesses culturelles et matérielles dont il a comblé dans sa providence. Merci pour tout ce que ce continent apporte à l'épanouissement du monde. Mais le Seigneur connaît aussi tous les maux dont il souffre.
ses fils et filles croient fermement qu'il les écoute. Quand ils font monter vers lui leurs cris de détresse, prions pour que les résolutions du synode accroissent leur raison d'espérer des jours de justice, de paix et d'épanouissement pour tous. Exauce-nous, Seigneur. Tsika rehetra tonga mankalaza izao fetin'ny olomasina izao. Ny fahasoavan'izy tompony hanenika ny fiainantsika tsirairay avy. Hoentintsika mitian'ny namana amin'ny fo manontolo. Mba ho iray eo amin'Andriamanitra iray, velona sy marina ny firenen rehetra. Enoy ny vavaka ry tompo. Seigneur, Dieu très saint, tu appelles tous tes enfants à la sainteté. Donne à chacun de trouver les fruits de ses efforts de conversion par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, daigne accepter l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » «
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
akuluna wenya hosaditi bodagbatome jeli jeli nuwe bena faso jeli Diti bura gatome, jeli jeli nuwe bena kasu jewe. Lipe yeduto weyon diti bura gatome, jeli jeli nuwe bena kasu jewe. Boholoholo weyin goji bala nuto, isa yiku bala junjani bo. Sona khutwa jeli jeli noe bena khasu jewe akuluno tosi salebio tosi saleno dobe tosi saleno da dondi bono dobe uno hunda chetwe ma jeli jeli noe bena khasu jewe ole Si salen on va dans solina, les houkono houhon solina, choakuluno lo ayan diti, a roubli bili nouné le bisese. Jeli jeli noue, bena faso jewe. Lobo e jefado e ni nounou, akpa adoule li mankoko, akuluno yewe yitoue. No da chonu kwito ibo ina no monte be kakaso imanvo jeli jeli noe bena fasu jewe akulu no wenya fosa diti buda gbatome jeli jeli noe bena fasu jewe libe yeduto weyon diti buda gbatome Jeli jeli nuwe beno afosu jewe. Frères et sœurs, quelques annonces pour les temps que nous vivons, après ces cris de joie et d'action de grâce. Demain, lundi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Les messes auront lieu à 8h, 9h, midi et 18h30. Jeudi 5 novembre à 19h, adoration du Saint-Sacrement à l'issue de la messe. Et vendredi 6 novembre, premier vendredi du mois, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Nous aurons une pensée particulière, nous serons en communion avec nos évêques de France qui se retrouvent en assemblée plénière à Lourdes toute la semaine qui vient. Enfin, nous pourrons, si nous le voulons, trouver le livre de notre archevêque, évêque, prêtre et diacre. Il est à la disposition à la sortie de cette messe. Et maintenant, je laisse la parole à l'archevêque de Brazzaville qui a quelques mots à dire. Je ne suis pas archevêque de Brazzaville. Je suis simplement évêque de Kinkala, administrateur apostolique de notre diocèse de Wando et président de la conférence épiscopale du Congo. Mais je voudrais tout d'abord dire merci, un grand merci, avec une gratitude profonde à mon frère, l'archevêque de Paris, Mgr André Vintroy. Il a été présent au synode, nous l'avons vu et nous l'avons entendu. Et aujourd'hui encore, nous l'avons entendu. C'est avec beaucoup de profondeur qu'il voudra restituer un peu quelques éléments, quelques fruits du synode. C'est, je crois, l'expression de tout un cœur attaché à l'Afrique et attaché à l'universel,
car nous avons bien apprécié au cours de ce synode la dimension universelle de l'Église à travers tous les représentants de tous les continents. Et donc, ce que le cardinal a dit tout à l'heure nous touche, mais très profondément, et je crois qu'il a dit l'essentiel de ce que nous avons pensé, de ce sur quoi nous avons réfléchi, de ce sur quoi nous avons médité et de ce qui nous tient à cœur. Encore une fois, merci pour cette hospitalité, merci pour cette solidarité exprimée et merci pour ce que je pourrais appeler cet engagement de solidarité future pour l'avenir. À la fin du message, on dit ceci, « Afrique, lève-toi, prends ton grabat et marche. » Mais c'est le monde entier qui a besoin de prendre son grabat, car quand un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Encore une fois, merci pour votre prière. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison par Jésus le Christ notre Seigneur. Voilà, je vais demander à mes deux frères africains de venir m'entourer pour appeler sur vous la bénédiction du Seigneur. Et puis les évêques aussi vont venir autour de nous, là. C'est assez rare que nous soyons aussi nombreux comme évêques à Notre-Dame de Paris. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Mater misericordiae. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous.